Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le rendez-vous BD de Télé Nantes. Nous sommes toujours avec Romain de la Mystérieuse Librairie. Bonjour. Bonjour Annelise. Et nous sommes toujours chez vous dans votre librairie rue de la Paix. Mais petit changement par rapport à d'habitude, on ne va pas parler de plusieurs BD aujourd'hui. On fait un gros focus sur celle-là. Oui. Et pourquoi donc ? Eh bien, puisque ça parle de Nantes, évidemment. Forcément. On aime bien à chaque fois vous présenter des auteurs locaux. Mais là, en l'occurrence, au-delà des auteurs locaux, c'est aussi une bande dessinée qui va nous parler de Nantes. Alors, Nantes, la ville, mais aussi Nantes dans l'histoire, puisque la ville a toute une histoire, en fait. On se retrouve à l'époque gallo-romaine, pour commencer. Donc, c'est plein de petits chapitres. C'est entrecoupé de petites explications avec des textes assez sympas, faits par la scénariste. Karine Parquet. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va se plonger, en fait, dans des objets qui ont été retrouvés, dans des fouilles qui ont été menées il n'y a pas si longtemps que ça pour certains. Et chaque objet trouvé nous amène à une histoire, à un personnage, d'où l'occasion d'avoir différents dessinateurs pour travailler. Et pas n'importe quel dessinateur, puisqu'on va découvrir quatre jeunes talents, quatre jeunes Nantais qui ont signé cet album et qui vont nous emmener donc à différentes époques. Comme le sous-titre l'indique, de Saint-Félix à Gilles de Rais, on est plongé comme ça au tout début de l'époque gallo-romaine. Après, on va se retrouver à une époque un peu plus capétienne. Et puis, on va passer pour finir à l'époque où la cathédrale de Nantes commence enfin à devenir ce qu'on connaît. Donc voilà, il y a plein de petites histoires en fait, qui vont former un tout. L'idée, c'est qu'on est sur un premier volume. Vous devinez bien que l'histoire de Nantes ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas à Gilles de Rais. Non, il y a eu pas mal d'autres choses. Donc, il y aura d'autres volumes. Pour le moment, on en parle de trois. Et du coup, ça va être encore l'occasion de découvrir des secrets d'archéologie. Et le tout étant bien sûr, évidemment, romancé, puisque c'est pas comme ça que la bande dessinée prend tout son charme. On romance, en fait, les éléments historiques qu'on a sur Nantes. Et donc, comme c'est une chronique un peu spéciale avec un numéro juste sur une BD, on vous propose de rencontrer deux des dessinateurs nantais de ce premier tome. Ils sont avec nous à la Mystérieuse Librairie. Il y a quatre dessinateurs à la BD Nantes de Saint-Félix à Gilles de Rais. Il y a Kevin Bazot, Sandra Nativel, mais aussi Émilien François et Cédric Benoît qui sont avec nous à la Mystérieuse Librairie. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Romain, vous nous les présentez, nos invités du jour. Eh bien, ce sont des jeunes dessinateurs, ça se voit à leur tête. Ils sont tout fringants et tout brillants. C'est leur premier album, enfin, c'est votre première publication, vraiment. On est sur, une première expérience pour vous d'approche de bande dessinée à travers des petits récits. Et vous êtes connus notamment par l'école Pivot, puisque on ne vient pas auteur de bande dessinée comme ça, on devient auteur en faisant parfois une formation, et c'est votre cas. Vous êtes passé par la case de Pivot. Pivot, la case nantaise Pivot. Alors évidemment, ça c'est une BD d'histoire, donc il s'agit de bien parler d'histoire. La question qu'on a envie de vous poser d'abord, c'est est-ce que vous étiez déjà balèze en histoire pour vous lancer dans ce projet-là ? Ou pas forcément ? On était très passionnés d'histoire. Très intéressés. Ouais, c'est ça. Après, on ne connaissait pas nécessairement l'histoire de Nantes en particulier, mais je pense qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de s'y connaître vraiment en particulier parce qu'on a eu beaucoup de documentation offerte par notre scénariste. Surtout son travail, en fait. Ouais, c'est ça. Ça se voit surtout dans son travail, les recherches. Puis il y a énormément de choses qui existent déjà, qu'on trouve assez facilement sur Internet, etc. Même s'il faut faire attention à faire la part belle des choses, parce que tout n'est pas correct dans ce qui existe. Mais il y avait quand même déjà un beau travail à ce niveau-là qui était fait. Puis ensuite, on peut s'intéresser à la reconstitution historique, etc. Pour trouver tout ce qui nous intéresse. Donc, au final, on peut découvrir l'histoire par ce biais-là. Il n'y a pas besoin de s'y être intéressé particulièrement. Au préalable, c'est ça. Voilà. Vous êtes replongé dedans. Et alors, on a parlé, c'est vrai que c'est une reconstitution historique, donc il faut essayer d'être fidèle au maximum. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre dans les dessins là, pour parler de cette histoire de Nantes ? Tous les deux, c'était l'architecture surtout, parce que c'est difficile à savoir à quoi ça ressemblait. Il ne reste plus rien de tout ça à Nantes. On n'en a plus que des gravures, des ruines, des choses comme ça. Et on ne sait pas comment ils faisaient aussi pour les construire. Donc c'est peut-être ça qui m'a le plus gêné, qui était le plus difficile à faire pour que ce soit crédible. C'est ça, amener quelque chose de crédible, amener quelque chose de reconnaissable malgré tout, essayer de redonner des places connues de Nantes, ce genre de choses. Alors ça n'existe plus maintenant, enfin plus dans le même état. C'était ça qui était le plus compliqué, je crois, sachant qu'on n'a plus rien, donc, comme disait Cédric. Donc on ne sait pas exactement comment était l'architecture à l'époque, même si on a des bonnes idées, mais
on n'est pas sûr non plus tout à fait à 100%. Mmh. Il faut donc amener une part d'imaginaire, en fait, quand même. C'est-à-dire que peut-être que la bande dessinée laisse encore cette petite part de liberté en tant que De toute façon, c'était le but avoué dès le début, c'est de la docu-fiction, en fait. Il y a une part de fictionnel dedans, donc on a quand même une marge de manœuvre. Tout comme dans l'histoire, il y a une part de légende, finalement, aussi. Exactement. Hein. C'est le cas avec Saint-Goard et Gilles Doré qu'on découvre à l'intérieur, que vous avez représenté, où il y a aussi une part de légende, finalement. Oui, on ne sait pas vraiment où ça s'arrête. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter ce premier ouvrage. Et il y en aura beaucoup d'autres, on leur souhaite. Ouais. Hein. On vous souhaite un bel avenir dans la bande dessinée. Ouais. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Romain de nous avoir accueillis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous BD.